Tshisekedi Tshilombo a présidé la 39e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 4 février 2022 par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du président de la République. C'est sur une note noire que le président de la République a commencé sa communication après le drame de Matadi Kibala, consécutif à la rupture d'un câble de haute tension qui a entraîné la mort par électrocution d'une vingtaine de nos compatriotes, sans oublier la disparition de plus d'une cinquantaine de nos compatriotes dans le massacre du camp de Savo en Ituri. Au nom de toute la nation, le président de la République a réitéré les condoléances les plus attristées à l'endroit des familles éprouvées et les a rassurées de pouvoir compter sur la solidarité nationale et l'accompagnement du gouvernement durant cette période de dure épreuve. S'agissant des populations du Nord Kivu et de l'Ituri, le président de la République a rappelé que les forces de sécurité ont été à nouveau instruites pour mettre tout en œuvre pour éradiquer toutes les forces négatives. Par la suite, la communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur 4 points, à savoir l'urgence de la délocalisation et de la modernisation du marché de Matadi Kibala. Le président de la République, rappelant sa communication à la 35e réunion du Conseil des ministres à ce propos, a martelé qu'aucune posture, aucun argument, aucune excuse ne saura justifier la survenance d'un tel événement pourtant évitable. Il a dit attendre les résultats des études de faisabilité de la délocalisation et de la construction d'un nouveau marché qui devrait être mené par l'équipe mise en place et qui doivent être présentées à la 42e réunion du Conseil des ministres. En outre, le président de la République a insisté pour que les membres du gouvernement et en particulier les gouverneurs de province puissent tirer à l'échelle du pays les leçons du drame survenu à Matadi Kibala en adoptant dorénavant une attitude proactive les conduisant à identifier tous les marchés présentant un risque extrême pour les personnes qui les fréquentent, à l'instar du marché de Voidou dans la ville de Matadi au Congo central. Ce travail devrait aussi s'étendre aux différents sites menacés par les érosions ou le péril des constructions anarchiques. Des solutions doivent être trouvées de manière progressive, mais il ne sera plus question de tolérer le laxisme dans les actions à entreprendre lorsqu'il s'agit de la protection de nos concitoyens, a insisté le président de la République. Il a chargé le Premier ministre de mettre en place une commission ad hoc qui comprendra les responsables de la Société nationale de l'électricité SNEL, le gouvernement provincial de Kinshasa, le ministre des Affaires foncières, la police nationale congolaise, ainsi que d'autres services habilités en vue de s'assurer que les mesures de sécurité appropriées soient prises autour de toutes les lignes de haute tension et d'autres servitudes du domaine de la SNEL. La participation du gouvernement à l'évaluation de la mise en œuvre du processus électoral par la CENI. Au lendemain de la présentation par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de sa feuille de route qui n'est pas à confondre avec le calendrier électoral ainsi que le calendrier réaménagé des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces, le président de la République a félicité la nouvelle équipe de la centrale électorale pour son implication sans tarder dans la planification et la préparation du processus électoral. La mise en œuvre de ces feuilles de route ne sera possible que si les parties prenantes sont à la hauteur
des contraintes ou des défis, aussi bien politiques, sécuritaires, techniques, financiers que sanitaires. Dans le souci d'anticiper sur certains préalables à la bonne tenue des élections, qui du reste doivent être inclusives, le chef de l'État a recommandé à la CENI d'envisager une évaluation régulière de la mise en œuvre de sa feuille de route avec les différentes parties prenantes institutionnelles ainsi que les forces sociopolitiques. Le Parlement, le gouvernement, le pouvoir judiciaire ainsi que toutes les autres institutions impliquées devraient, chacun en ce qui le concerne, s'acquitter pour sa part pour permettre la réussite du processus électoral. Prise en charge effective du plan national du numérique à l'horizon 2025. En vue de résorber durablement la fracture numérique dans laquelle se trouve notre pays et qui constitue un frein indéniable à son développement, le président de la République a rappelé l'urgence pour le gouvernement de donner un coup d'accélérateur à la transformation numérique dans laquelle il a engagé le pays à travers le plan national du numérique qui dispose aujourd'hui des feuilles de route opérationnelles. Concrétisation des opportunités industrielles existantes dans nos provinces. Le projet de développement du tissu industriel en province, dont la finalité consiste en ce qu'il absorbe et s'appuie sur les compétences locales, par la création d'emplois qualifiés et non qualifiés, mérite une attention particulière du gouvernement dans le cadre de l'amélioration du niveau de vie de la population. À titre d'exemple, le président de la République a évoqué le cas de la province de Tchopo, où le gouvernement central a reçu, depuis 5 ans, dans le cadre de la coopération sino-congolaise, une usine de production de panneaux en polystyrène armé pour la construction d'immeubles et plusieurs types pouvant servir d'écoles, de centres de santé, de maisons d'habitation ou encore du bureau administratif. Le chef de l'État a estimé qu'il est important que tout soit mis en œuvre pour que cette usine apporte la contribution pour laquelle les fonds publics ont été décaissés pour son acquisition et son installation. Le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, qui a sous la tutelle l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, a été invité à faire des propositions nécessaires comme solution définitive permettant à cette usine de jouer pleinement son rôle. Intervenant dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre a réitéré les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées. Il a précisé que tous les ministères sectoriels concernés par ce drame ont été déjà instruits afin que, d'une part, les responsabilités soient établies et, d'autre part, que des solutions durables y soient trouvées. Au sujet des réunions de suivi d'exécution des décisions du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a indiqué qu'il a convoqué et présidé le mercredi 2 février 2022 la réunion du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19, afin de procéder à l'évaluation de la situation de la pandémie dans notre pays. Des mesures idoines proposées ont été transmises au président de la République pour compétence. En ce qui concerne la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa, outre l'accélération décidée du projet Kinshasa Zéro Trou, d'autres mesures, notamment une force campagne d'éducation civique de conducteurs et la mise en circulation d'un nouveau permis de conduire, ont été arrêtées et d'autres seront annoncées incessamment. Quant à la question de la délocalisation du marché de fortune de Matadi Kibala, 3 sites ont été proposés pour abriter le nouveau marché. Après études juridiques et techniques à effectuer par les ministères de l'urbanisme et des affaires foncières, en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa, l'un des 3 sites sera retenu dans un bref délai. Avant de passer à l'examen des dossiers, le Premier ministre a donné la parole au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, qui est revenu
sur les leçons à tirer de cet accident et la nécessité pour la Société nationale d'électricité SNEL de prendre des mesures urgentes pour prévenir ce type d'incident. Le Conseil a pris acte des mesures préconisées. Pour conclure ce chapitre, le ministre de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires a informé le Conseil des ministres des dispositions qui ont été prises avec la ville de Kinshasa pour l'organisation des obsèques des compatriotes décédés à la suite de ce drame de Matadi Kibala. Une mission urgente de consolation a été dépêchée auprès des familles de nos compatriotes affectés par le massacre de Savo en Ituri. Deux points d'information. État et administration du territoire. L'état du territoire national présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, reste généralement calme sur toute l'étendue du pays en dépit des cas d'insécurité enregistrés à l'Est où se poursuivent des opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. La police nationale congolaise poursuit également des opérations de lutte contre toute forme de criminalité. L'état d'esprit de la population a été marqué par la pose de la première pierre des travaux de construction du port en eau profonde de Banana et la clôture des états généraux des communications et des médias. Au sujet de la situation en province, quelques faits méritent d'être mentionnés. Il s'agit notamment de l'occupation en date du 29 janvier 2022 de Mitoba Centre par les militants miliciens Bakata Katanga, situation qui a été prise en charge par les forces de sécurité. L'attaque du site des déplacés dans la nuit du 2 février 2022 par les militants Codeco dans la localité des Balé, groupement de Ngile, chefferie des Babema, Boudjéré, beaucoup de nos compatriotes ont été massacrés et cette tuerie a été stoppée grâce à l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo. Le drame déploré du marché de Matadi Kibala à Kinshasa a plongé le pays dans l'émoi. Situation sécuritaire. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, pour sa part, a fait le point de la situation sécuritaire qui demeure globalement sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Il est revenu notamment sur les dispositions sécuritaires qui ont été prises dès le soir du massacre de Savo en Ituri. Il a aussi abordé la poursuite des opérations militaires dans le Rutshuru où l'armée continue la traque des résidus des éléments du M23. Dans le sud Kivu, les unités des forces armées de la République démocratique du Congo sont très actives dans la traque contre les terroristes. Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a souligné que les opérations conjointes des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, se poursuivent normalement. Évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a enfin informé le Conseil des ministres de l'organisation de l'atelier de validation de la stratégie de coopération Organisation mondiale de la santé, République démocratique du Congo, pour la période de 2022 à 2026. Rapport sur l'avancement de projets d'entretien de la voirie dans la ville de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a présenté la situation d'évolution des travaux réalisés sur financement du Trésor public, en partenariat public-privé et avec l'appui des bailleurs de fonds, pour la réhabilitation et la construction des voiries dans la ville de Kinshasa. Rapport sur les contraintes liées au fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Le ministre d'État, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, a présenté au Conseil des ministres
consécutivement à la demande du président de la République au cours de la 38e réunion du Conseil des ministres, les contraintes du fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Il a entretenu les membres du gouvernement sur les mécanismes de mise en œuvre de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et ses décrets d'application en constituent le socle. L'un des grands défis de la vulgarisation et la sensibilisation demeure l'approbation des opportunités offertes par la loi des opérateurs économiques congolais. C'est à ce titre que des contacts ont été pris avec les chambres de commerce, les associations des femmes et des jeunes entrepreneurs, la Fédération des entreprises du Congo, la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo, COPEMECO, avec le ministre en charge de la Justice, des Finances et des Mines, le ministre d'État, ministre des petites et moyennes entreprises, s'apprête à mettre en place une commission de travail pour leur permettre de se pencher diligemment sur la question de l'audit de l'effectivité de la dite loi. Le Conseil a pris acte de ce rapport. État de l'avancement des travaux de construction du port sec de Kasumbalesa. Pour faire suite à la recommandation du président de la République, au dernier Conseil des ministres, le ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements a présenté les rapports d'avancement des travaux du port sec de Kasumbalesa. À ce stade, a-t-il indiqué, les études environnementales, géotechniques, financières et économiques ont été faites. Au regard du coût du projet évalué à près de 129 millions de dollars américains et des faibles moyens de l'Office de gestion de fret multimodal OGFREM pour financer le projet, le ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement a dit avoir conclu un mémorandum d'entente avec un partenaire pouvant financer les travaux. Entre-temps, l'OGFREM a assuré la couverture financière du projet par phase et ce qui a permis la construction de la clôture sur l'ensemble du site de 62 hectares et compactage de 20 hectares. Le restant des travaux sera pris en charge par le partenariat public-privé à conclure. Deux notes d'information du ministre de l'Intégration régionale. Le ministre de l'Intégration régionale, représenté par le ministre du Développement rural, a présenté au Conseil des ministres deux notes d'information. La première a consacré l'état d'avancement des préparatifs des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Cette semaine, a-t-il indiqué, le directeur national des Jeux et le délégué général ont été dépêchés en mission en France pour faire le rapport de l'évolution des travaux à Madame la secrétaire générale de la francophonie. Elle leur a assuré de son engagement ferme pour la tenue de ces Jeux à Kinshasa. La deuxième note a porté sur la tenue du 10e sommet des chefs d'État du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba à Kinshasa le 24 février prochain. Le ministre de l'Intégration régionale a précisé qu'au terme de cette session, la République démocratique du Congo prendra la présidence tournante de cette organisation régionale qui est pilotée actuellement par l'Ouganda. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé de décision prise lors de sa 38e réunion tenue le 28 janvier 2022. Examen et adoption de dossiers. Deux dossiers. De la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a présenté au Conseil les besoins urgents et formulé des propositions en vue de consolider la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. À propos des écoles à mécaniser, le rapport préliminaire de la mission diligente à travers le pays en janvier 2022 indique
un effectif de 7720 écoles primaires recensées pour un impact de 54 148 enseignants, ce qui dégage un impact financier de 16,918 milliards de francs congolais. Pour y parvenir, il a sollicité l'autorisation du Conseil des ministres pour trouver des voies et moyens en vue de la mécanisation des écoles et des enseignants précités. Il en est de même pour l'opérationnalisation de la caisse de retraite des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, CRE et PST, dont l'engagement du gouvernement est clairement stipulé à l'article 4, alinéa 3 du protocole d'accord sanctionnant les travaux de la commission paritaire du 18 novembre 2021. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. Du plan national stratégique d'exploitation et de certification des ressources minérales, la ministre des Mines a dévoilé au Conseil le contenu du plan national stratégique d'exploitation et de certification des ressources minérales de la République démocratique du Congo. Ce document poursuit quatre principaux objectifs, à savoir l'acquisition, la centralisation et l'amélioration de l'infrastructure géoscientifique, l'identification des nouveaux indices minéraux, la découverte des nouveaux gisements, l'estimation des ressources minérales. Tenant compte de l'intérêt économique des substances minérales et de l'accessibilité des zones disponibles à l'exploration, quelques degrés carrés prioritaires sélectionnés ont été répartis en 6 blocs œuvrant respectivement dans les provinces du Kasaï, Ituri, Tanganyika, Grand Équateur, Grand Kivu, Congo central et Kwango. Elle a indiqué que c'est en parlant d'une campagne d'exploitation minière que notre pays pourrait mettre en exergue les gisements économiques rentables dont les réserves minérales feraient l'objet de la certification. Pour le gouvernement, il est question de valoriser et de protéger les actifs miniers constituant un portefeuille minier adéquat dans le but d'accroître l'économie nationale pour soutenir le financement de la construction et de la modernisation des infrastructures. Une action inscrite dans l'article 30 de son programme inspiré par le président de la République. Après débat et délibération, ce rapport a été adopté. Examen et adoption des textes. 3 projets de décret. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a soumis au Conseil des ministres 3 projets de décret pour délibération. Le premier a porté sur l'organisation de la mutualisation des activités opérationnelles dans le cadre de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, de l'identification de la population et du recensement général de la population et de l'habitat. Il a expliqué que cette mutualisation opérationnelle consiste à la mise en commun des ressources humaines, techniques, logistiques et matérielles dédiées à la réalisation des activités communes en vue de contribuer à la production des cartographies opérationnelles du fichier électoral et du fichier général de la population. Elle ne devrait nullement empiéter sur les attributions légales et réglementaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'Institut national des statistiques INS et l'Office national de l'identification de la population ONIP. Dans le cadre de cette mutualisation qui a l'avantage de réduire les coûts et rationaliser les délais opérationnels, la centrale électorale devra privilégier la collecte des données des électeurs afin de respecter la contrainte des délais constitutionnels. Le second projet de décret a concerné la création d'une carte d'identité nationale en République démocratique du Congo. Il institue un document administratif numérisé à partir des données biométriques produits et délivrés
par l'Office national de l'identification de la population, ONIP, à tout Congolais vivant sur le territoire national ou à l'étranger. Le troisième et dernier projet de décret a concerné la création d'un fichier général de la population en République démocratique du Congo. Cet acte réglementaire, à prendre par le Premier ministre, chef du gouvernement, vise à doter le pays d'un système rationnel et intégré de gestion de la population afin d'améliorer la qualité de service public et de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. À ce propos, le vice-premier ministre a précisé que le fichier général de la population est un système de traitement des données individualisées qui contient les informations biographiques et biométriques relatives à l'identité des personnes physiques et celles relatives à l'état civil. Il assure de façon continue l'enregistrement, le traitement, la conservation et la communication des informations relatives à l'identification des personnes physiques résidant au pays et des Congolais vivant à l'étranger. Son enregistrement est obligatoire. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces trois projets de décret. Commencé à 11h21, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h07. Je vous remercie.